Et bienvenue tout le monde, c'est Matt, aujourd'hui nouvelle vidéo ouverture One Piece, toujours en compagnie de Togepi Lady, alias voilà. Camille. Et du coup, on se retrouve encore pour une battle. La première a été remportée par vous avez choisi dans les commentaires, et du coup, c'est Matt. Donc aujourd'hui, c'est la revanche. On verra qui est-ce qui va gagner cette fois. Bah, j'espère que ça sera moi. Ou moi. Non. Si. Non, moi je suis... Il n'y a pas de galanterie, moi. Jamais. Jamais, aucune galanterie. On est là pour gagner. Le lot a gagné. Donc si tu gagnes, je choisis une ultra dans mes cartes Pokémon. Si je gagne... Bah, je lui paye le resto. Voilà. Il n'y a rien d'égal là-dedans. Il n'y a rien d'égal. Bah, à tout moment, tu me prends une rare incroyable. Ça serait bien. Après, ça va, tu connais pas trop encore les cartes Pokémon. Donc je peux m'en sortir. Tu pourrais m'aiguiller, etc. Pour me la foutre à l'envers. Exactement. Ouais, ouais. En tout cas... On est sur un nouvel display. 12 boosters chacun. Hop. Et avec cette fois-ci toujours le petit booster blanc que... J'ai ouvert dernièrement. Que t'as ouvert sur la... Oula ouais. Ici il arrive. Après il faut savoir que ça vient directement du Japon. J'ai acheté ça sur carte Pokémon Japon, je crois, un truc comme ça. Enfin un site très fiable. Et j'ai reçu ça en moins de 10 jours ouvrés. Ouais. Incroyable, pendant les grandes vacances. Donc, ouais, trop cool. Et du coup, tu avais commencé sur la vidéo précédente. Donc c'est à ton tour. Et là, c'est à mon tour. Hop, celui-ci, on va le mettre là. Et on commence tout de suite avec le premier booster. Imagine, je pioche la parallèle dès le début. Hop, vidéo niquée. Après, si on pioche la manga, on s'arrête là. Je te le dis tout de suite. Clairement. Ok. Le mec se connaît plus. Je pioche la manga. D'ailleurs, il n'y avait pas le lion dans le live action. Non, il n'y avait pas le lion dans le live action, exactement. L'eau. Le mec de Stampede, sa troisième vidéo, je ne connais toujours pas son nom. Et derrière, ah, encore derrière, la fameuse. Oh, on l'avait pas. Super joli. C'est Sangoku, l'amiral en chef. Voilà, trop belle. D'ailleurs, t'en as pensé quoi du live action en fait? Très cool, en vrai, très bonne surprise. Après, en vrai, j'ai jamais été négatif sur le live action. Pour moi, ça a toujours été une bonne idée. Ouais. Après je savais qu'Oda était derrière, donc forcément ça ne pouvait être que bien. Les scénaristes avaient précisé en disant que si Oda ne ça ne plaisait pas à Oda, ils arrêteraient. Tout simplement, ouais. Et pour le coup, très bonne surprise. C'est vrai que c'était très sympa. Une histoire un peu différente, avec Kobe, on explique avec son histoire, avec Garp aussi et tout, mais franchement très cool. Usopp, Akino. Again and again, hein. Et lui, putain, je ne me souviens pas comment il s'appelle. Je regarde maintenant. Parti, on enchaîne. Ok, celle-ci, toujours pas Quina, toujours. J'ai un doute. Hop, Doflamingo. Et derrière. Oh, Smoker, on l'avait pas. Non, on est sur une nouvelle display, ça y est. Enfin, des choses différentes qui changent. Enfin, trop cool. On voit moins de double. Après, ça commence à devenir un peu compliqué, là, on est sur la troisième display au total. Forcément, on commence à avoir pas mal de doubles. Franky. Suru. Oh, on l'avait pas non plus. Elle est jolie celle-ci. Carrément. Shiki. Shiki le lion d'or quand il était à Impeldon. Avant de s'échapper et de faire ensuite le film non canon, Strong World. Que de nouvelles Zolo. Bah ouais, enfin. On va peut-être enfin avoir des nouvelles SR. Ça serait cool d'avoir. Peut-être la manga. Ah, ça serait incroyable. On va peut-être avoir, comment il s'appelle, Kizaru. On l'a pas, Kizaru, dans les SR. On a les deux autres. Attention. Et non, une simple holo. Et on l'a déjà. Pour la petite surprise aussi, pareil que le projet Pokémon Plus Ultra, il y aura aussi un projet similaire avec One Piece. Donc chaque mois, je vais faire grader 5 holographiques ou des ultras et on aura une à gagner chaque mois. Voilà. J'espère que ce projet va vous plaire, et puis de toute façon, vous êtes 100% gagnant dans tous les cas. C'est encore une... Ah, on l'avait pas celui-là, Mr. Three. Que de bonnes surprises. Ah ouais, c'est con qu'ils n'ont pas fait Mr. One en holographique. Bah trop cool. Que de bonnes surprises. Pour le moment, bon à part celle-là, là. Enfin, quelque chose qui change. Comparé à la dernière display, on avait quasiment que des doubles. Ah ouais, c'est clair. Hop. Et derrière, voilà, les leaders. Rappelez-vous dans la première vidéo, il n'y a qu'une leader par display. Et Yamato. Je crois qu'il y a un Yamato en mode secrète dedans.
J'ai dû voir vite fait le visuel et elle est tout simplement incroyable. D'ailleurs, est-ce que vous collectionnez toujours One Piece et où vous en êtes si vous collectionnez cette série? T'as vu qu'il y a, oui. Il y a une SR. Allez, l'eau. À tout moment, c'est la manga. Oh, non. Ah, oh, bah on l'avait pas. C'est SR Ivankov. Moi, j'avais pioché du coup sa parallèle. Très très joli. Bah, trop bien. J'aime c'est. Putain, mais que des nouvelles Zolo, trop cool. Là, tu vois, on redécouvre. Là. Ça fait plaisir. Pour le coup, avant, la dernière display, c'était mis à part 3 cartes en plus. C'est ça. 4. 4. 4 nouvelles cartes à ajouter. C'est tout. Génial. C'est super. 50 euros les 4 cartes. Allez, on continue. Tiens, Mr. One. Et derrière. Inosuke. Ouais, Inosuke, je crois, un truc comme ça. Oui. Ou Inazuma. Inazuma, je crois. Allez, le suivant. En tout cas, la série One Piece 2 Marineford. C'était la dernière vidéo sur cette série. Après, on enchaînera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, peut-être, la série que vous voudrez voir. Moi, j'avais pensé à One Piece 4. Je sais qu'il y a un très beau sabot dedans à avoir. Et je me suis dit, pourquoi pas. Mon petit Baggy. Voilà, Baggy. Bon, bah, ouais, génial. J'ai beaucoup aimé dans le live action Baggy. Ouais, il est incroyable. Ouais. L'acteur qui joue. De toute façon, en vrai, les acteurs ont été très très bons. Ouais. Ça fait pas un peu. C'est pas too much, tu vois. J'ai vraiment kiffé. C'est pas comme le live action de Tokyo Revengers. Moi, j'ai pas du tout aimé. Et là, j'étais agréablement surprise. Ouais, beaucoup de surprises. Ouais. Ah, celle-là, on l'avait pas. Non, effectivement. Une petite dorée en plus qu'on n'avait pas. Bah parfait, putain, c'est trop cool. Elle est jolie en plus, c'est quand Akainu l'attaque. Toi comme moi, on a des bonnes pioches. Ah ouais, moi comme moi. T'es dans l'excès là. Il n'y a que Matt qui compte. Toujours, dans toutes circonstances. Hop. Crocodile. Zoro. Ah, même pas trop tes doigts dessus. Hop, bah c'est la manga, mais en version couleur. Oh, ça m'émeut. Après, c'est pas la vraie manga, c'est une parallèle du coup. Je prends pas le seum quand même. Enfin, c'est exactement la même, mais là c'est la parallèle super de Ice. Jolie. Du coup, c'est toi qui as pioché la parallèle. Ouh là là. À tout moment, il peut aussi avoir la manga. Trop belle, putain. Bon, pour le coup, c'est toi qui gagne, hein. C'est ça. Sauf si je pioche la manga. Ah là là. Moi, je vais rien dire parce que dans la dernière vidéo, j'ai dit garde espoir. Et ben, le karma m'est revenu dans la face. Donc là, je dis rien. On l'avait pas celle-ci. On l'avait pas? Non. Okay. Oh, Marco en holo. Putain, mais que des bonnes découvertes. Là, vous imaginez même pas le tri qu'on a à faire derrière. Hop. Ça va être long. Heureusement que c'est que des paquets de 5 cartes. Hein, comme Pokémon, des paquets de 10 cartes, laisse tomber. Putain, elle est trop belle, l'Ice. On la regardera un peu mieux à la fin. Alors, on commence. Hop. Quoi, lui, je me souviens plus son nom. Je crois pas qu'on l'avait, celle-là. Si. D'accord. Si. Ok. Celle-là aussi. Et celle-là et aussi. Oh là là. Et j'ai failli faire la même erreur. Troisième vidéo de suite. Mais j'ai regardé, là j'ai bien regardé. Elle est en première. En haut parce qu'elle est magnifique et je veux que tout le monde l'admire à chaque fois que tu ouvres. Alors quand j'ai pioché la manga derrière, dis-moi dans les commentaires si c'est possible, parce que je sais pas si je l'aurai dans le cours de la vidéo, mais si c'est possible de piocher et la parallèle et la manga. En tout cas cette fois tu as bien mélangé. Celle-là, ouais. Celle-là on l'avait pas non plus. Non. Que des nouveautés, là je suis content. Le coup, c'était la même display quasiment avant, à 2-3 cartes près. Moi, de même, je suis très contente. Oui. On va la mettre sous le top loader, parce que tu me fais peur. Exact. Bon, ça va, t'abuses. Hop. Tu comprendras quand tu seras dans le grading un jour. Alors, hop. Tu vas grader tes Togepi, là. Hop, ça, on l'a déjà. De toute façon, t'as une holo. Luffy, ah, trop content. Ah, j'adore Luffy. J'adore Ace. Il est incroyable dans la saison 12. Il est encore en vie. Dans la saison 12. C'était juste pour te faire chier. Hop, attention derrière, banger.
J'adore l'espoir que t'as à chaque fois que tu ouvres un booster. À chaque booster que j'ouvre et que je ne vois rien, c'est mon ultra qui me dit « C'est chaud !» En vrai, je peux toujours choper le manga, hein. Je sais pas. Je sais pas. Mec désespère un peu. Je sais pas en panique. Allez, derrière. Putain, mystère. J'ai trop le seum. Tout va bien se passer. Après, ça va, en vrai, il y a quand même eu beaucoup de nouvelles, ouais. De beaucoup de nouvelles, donc ça, c'est cool. Bon, après, même si ça me fait chier que c'est toi qui ai pioché, j'ai la fameuse Ace en parallèle. Oh putain, en plus, elle a une SR derrière. Barbe, putain, on l'avait déjà. La secrète, pour ceux qui ont la ref. Ma copine pioche une secrète. On n'a aucune réaction parce qu'on ne connaît pas la série. Ah, pour ceux qui ont la ref, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Corazon. Jinbei. Un géant. Oh, merde, putain, on l'avait déjà. Le mec est heureux. Il a la joie de vivre en lui. Mais non, mais j'ai le seum parce que du coup, t'as Ace. Voilà, je sais que j'ai perdu. J'ai Ace. Je crois que j'ai pioché Ace, non? Ouais. Ouais. Mais t'as pioché Kobe aussi, hein, rappelle-toi. Ouais, mais j'ai pioché Ace. Alors, Corazon, lui. Asura. Ose Junior. Ah, ouais, deux cartes par deux cartes, toi, non? Non. Non, non. Bah, ça va non plus. Abuse pas. Brooke, qu'on avait. Déjà. Incroyable. Allez, dernier booster pour moi. Donc, l'avant-dernier de la display. Tac. J'ai un truc qui brille. De toute façon, il y a toujours un truc qui brille. Pays d'oie. Tout les jeux brillent. Miwok. Chooper. Ah. Oh. Très joli. Kizaru. Voilà. Je disais en plus en début de vidéo. Ça serait bien qu'on l'ait. Comme ça, on a, bon, on a les trois. Ouais. Les trois, plus Son Goku, plus Garp. Franchement. Attends, je vais faire la même chose que toi. J'espère avoir la manga, du coup, pour compléter le set. Elle va pas la couper. Parce que ça serait con, quand même. Voilà. Bon bah de toute façon j'ai officiellement perdu hein. Bah clairement là oui. Ouais. Y'a pas tortillé du cul pour chier droit. Oh, Kobe. Oh, bah, mais à chaque fois je... à chaque fois je le pioche. Dans chaque display Kobe. C'est hallucinant. Je crois que Kobe, la carte de Kobe est amoureuse de moi. Alors. Mais en tout cas je m'en fiche puisque j'ai pioché Ace. J'ai deux SR. J'ai Ace, moi ça suffit. Ace et t'as une SR je crois. Barbe blanche, ouais. Ouais. Ah non, t'en as deux aussi. Okay, putain, on a eu 4 SR plus, plus une parallèle. Putain, bah, c'était une très bonne display en exactement. Plus avec énormément de nouvelles de cartes dans la collection. Donc c'est trop Ace. Cool. Bah, va forcer jusqu'au bout. Avec ah là, ouais. Je suis tellement fière. T'en perds Kobe, fais gaffe. Kobe qui fuit. Mince. Attends, bah, c'est pas fini. Ah bah oui. Tu me laisses le droit de l'ouvrir pour oui, cette. Pour essayer de pour cette défaite. Écrasante. Écrasante. Et là-dedans, nous avons. Oh, elle Toki! Elle est trop mignonne! Toki, zéro, elle est nulle! Non, elle a un pouvoir ultra cheaté, elle connaît beaucoup de choses sur l'histoire de One Piece. Mais en tout cas, c'est cool! C'est cool, on a trois displays, trois, je crois que c'est des ultra communes qu'ils appellent ça, différentes. Mm. Donc en fait, c'est des zooms de cartes qui existent déjà. Ouais. Voilà, mais c'est trop cool! Ouais. Trop bonne display pour le coup, trop content! T'étais contente aussi? Trop contente. Bah oui, j'ai pioché Ace. Ouais. Et bah tu vas pouvoir choisir une ultra parmi... Et je me ferai pas avoir. Parmi mes cartes. Du coup, on se retrouve juste après. Bon, du coup, Camille choisit sa carte. Donc c'est mes ultras, tout ça. Là, tu regardes de page en page, toi. Ouais, j'ai pas le temps. Non, moi je cherche. Je regarde s'il y en a une en particulier. Je sais très bien... Regarde s'il y a des Togepi, mais je crois pas que j'ai des Togepi. Ah, j'ai peut-être un Togekiss. Hein. En vrai. Non, parce qu'il y en a une avec Doudou, etc. Là. Je crois pas que je l'ai. Y a pas de Togepi en shiny. Et tu vois, il y a un Togekiss VMAX là. Mm. Bah écoute, je vais prendre lui. Hein. Ok. Bah voilà, c'est ciao. Et voilà. Allez, dis-lui au revoir.
Voilà, merci de m'avoir dépouillé. Et puis, puis on se retrouve du coup sur nos Instagram. Donc, Togepi Lady. Et puis moi, bah, Monkey D. Matt. puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'était la dernière vidéo sur, sur OP2. Pardon. Mm. Et on se retrouve pour une nouvelle série très prochainement. Toujours en compagnie de Camille. Évidemment. Voilà. Tchuss!